Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2 heures de surprise déjantée. Les amis, Sylvain Potard a une anecdote. Ouais, alors moi. Donc en fait, tu connais mon romantisme. Oh là là. Je me suis retrouvé enchaîné. Non, je me suis retrouvé chez moi à faire un petit dîner pour une petite nana, tu vois. Donc voilà, je prépare tout, la tambouille et tout. Donc quand tout à coup, I feel it coming. On arrive. À tout de suite. Juste après ça. Des piqûres dans les yeux. Voilà, c'est ça. Composé. Mais on était dans le dîner de Sylvain et le dîner de Sylvain, il est mythique. On repart, moi, Sylvain. Ouais, donc en fait, je me retrouve avec ma petite gazelle dans la cage aux fauves. Et en fait, voilà, petite bougie, petite ambiance et tout, sympathique, tu vois. Ouais. Le grand popo, quoi. Et donc, je dis, bon, bah, tu veux que je commande un truc et tout. Elle me dit, ouais, et tout. Bon, bah, j'appelle le resto favori. J'appelle, je dis, ouais, voilà, petite commande pour deux et tout. Bon, ouais, j'attends et une demi-heure après, ça sonne. Ouais. Ça sonne et tout, j'ouvre Père la porte. Père Castor. J'ouvre la porte comme ça et d'un seul coup, au moins j'ouvre la porte, il met un coup de chassé dans la porte et il y a au moins 15-30 personnes qui rentrent dans l'appart. C'est pas vrai. Et en fait, c'était un poteau qui avait pris mon portable. Ouais. Il avait fait une transaction sur son portable. D'accord. Et en fait, je suis pas tombé sur le resto, je suis tombé sur mon pote qui a fait semblant de prendre ma commande en fait. D'accord. Et en fait, ils sont arrivés à 30 personnes dans l'appartement en mode. En fait, tes amis sont aussi bizarres que toi. Tu vois. Genre, les slips à l'air, la teub à l'air. C'est normal que j'ai pas compris l'histoire. Moi aussi. J'ai rien compris. Si quelqu'un a compris, hashtag. Oui, alors moi j'ai à peu près compris, mais surtout il y a Matt qui soulève une question existentielle, c'est déjà comment elle a pu accepter de venir chez toi. Ah, finalement c'est une bonne question. J'ai de bons arguments en général. Donc en fait ils ont débarqué, ils étaient 30 dans l'appartement, d'accord. À commencer à foutre le bordel, monter sur le canapé, sur la table et tout. La meuf elle était paniquée, elle savait pas ce qui se passait et tout. D'accord. Donc, moi, et elle a fini niquée. Pardon. Donc j'ai commencé à la rassurer et tout et bon bah tu me connais. Et voilà, et ça s'est bien passé. Voilà. Ça s'est fini sur l'oreiller en général. Sur l'oreiller, là, ça, tu l'adores l'oreiller. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous ramener ton oreiller pour la semaine prochaine? Je suis assez curieux de d'ailleurs, voir. La tête d'ailleurs, si cet oreiller il parle, si cet oreiller savait parler, puis il se dit il y a des choses. Quelle serait la première phrase de l'oreiller? Aïe. Maman, j'ai mal. Je chanterai du Black Eyed. Je suis français. Il chante tout. Il chante tout. Oh là là. Par contre, faut pas. Ça reste quand même la seule meuf qui reste paniquée chez Sylvain. Allez, pas mal. Il est bon, il remixe les vannes. Il est bon. Je l'avais mal tourné. Je rattrape. Il est bon, le professeur Malik.